Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Voilà, madame, monsieur, bonjour à tout le monde. Vous êtes les bienvenus sur ces plateaux de la DRC Information. Vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes également dans toutes les plateformes numériques. Vous qui êtes dans certaines provinces, vous qui avez besoin de suivre cette émission en caractère débat, une émission politique, veuillez nous suivre sur notre page Facebook DRC Info, mais également sur YouTube. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Nous sommes mardi 7 novembre. Sur ces plateaux, j'ai 4 invités. Nous allons parler de plusieurs sujets relatifs à l'actualité qui domine notre pays, la RDC. Nous parlons de l'opération conjointe FARDC et la MONUSCO qui venait d'être signée pour protéger la ville de Goma, mais également la cité de Sake. Nous allons également parler des élections du 20 décembre prochain, à un mois et demi, la tension du côté de l'opposition autour de la candidature commune, mais également du côté de la majorité au pouvoir, plus précisément l'Union sacrée de la nation. Je vais d'abord commencer par vous lire un document, plutôt un communiqué qui venait de nous parvenir ici à la DRC Information, venue de la ville de Goma, où la mairie a écrit: la ville de Goma est plongée dans le noir. C'est lundi, depuis le lundi, dans la soirée suite aux affrontements entre les FARDC et les M23, la société Virunga Energy apporte plutôt à la connaissance du public qu'il observe une coupure de l'électricité au niveau de la ville de Goma à cause des affrontements entre les FARDC et le mouvement rebelle M23 dans la ville de Kibumba. Virunga Energy n'est malheureusement pas en mesure de rétablir l'électricité à l'heure actuelle et incapable de dire quand ses équipes auront accès aux zones endommagées par les affrontements. Et puis après, vous devez plutôt les savoir, après les affrontements, après plutôt avoir signé l'opération vendredi 3 novembre à Goma, 2 jours après, la ville de Goma plonge dans le noir d'une insécurité causée par l'affrontement entre les FARDC et les M23. Madame, monsieur, au cours de cette émission, je veux aussi commencer, avant que nous puissions aborder la profondeur de notre émission, commencer par vous présenter nos invités. J'ai à ma gauche monsieur Dan Kapiamba, il est cadre et communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour monsieur Dan Kapiamba. Bonjour M. Vianney, bonjour à tous les co-débatteurs sur ce plateau, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment partout à travers le monde. Je leur transmets toutes mes salutations patriotiques. J'ai profité de l'occasion pour passer mon petit biscuit à toute la population des Ngaliema particulièrement dans cette période électorale. Oyo Batou qui viennent avec leurs biens, qui viennent avec les vivres et non-vivres pour nous repérer Sabango afin d'acheter leur conscience. Oyo Tozo, mettre en garde tous ces candidats, je dirais, que je qualifie de vautours, qui ont pillé l'argent de l'État, Batoyo, qui ont hier géré la République, Oyo va profiter d'un intérêt sur un boka, et les lots basoyana va bien pour acheter la conscience de la population. Nous sommes encore à la présentation. Alors, je profite de l'occasion pour lancer un appel à la population de Ngaliema, de jeter l'air de voler, na Batumi Balé, je cite Espérant David Mouvèche, ainsi que M. Corneille Moundegui, Oyo va renouveler véritablement la classe politique avec la conscience citoyenne. Merci, nous sommes encore à la présentation. Et toujours à ma gauche, monsieur le docteur plutôt Patricia Ngongo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Bonjour cher Vini, merci une fois de plus de votre invitation. Ouais. Merci. Je salue mes co-débatteurs ou les gens que nous aurons l'occasion de débattre ce matin. Je salue le cadre et militant du mouvement de libération du Congo. Je salue plus particulièrement nos sœurs, nos frères, nos mères de l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois que ça sera un débat républicain aujourd'hui. Bien sûr. Et à ma droite, M. Yves Guiassouman, il est cadre du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mozito, mais également communicateur de ces partis. Bonjour. Bonjour, Mme Boka Winnie. Merci beaucoup pour l'invitation.
Okay. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les amis, disons les Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce net moment, et aussi aux co-débattants qui sont avec moi sur ce plateau. Je crois que ça sera un débat républicain. Merci beaucoup. Ok, merci Serge Taboko. Bonjour, vous êtes cadre de l'ECID. Un mot à placer. Oui, cher compatriote, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Ouais. Permettez-moi de dire également merci à Dieu, c'est lui qui nous protège, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que si ça dépendait des hommes, on ne serait pas là. Nous sommes dans un pays où le système sanitaire est absent, il n'y a pas la sécurité. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, l'Organisation des Nations Unies via le système, soit les Nations Unies via l'OIM, vient de publier récemment ici un communiqué. On nous parle de 5 900 000 compatriotes congolais qui sont déplacés internes. Okay. Donc, hier, quand j'ai regardé une image sous la pluie, les enfants étaient en train d'attendre des bouillies. Et j'ai vu des enfants de 4 à 3 ans porter leur petit frère sur le dos. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et ça me pousse encore de continuer ce combat. Et nous sommes prêts à sacrifier notre vie. Puis ça ne peut pas continuer comme ça. Mais sinon, je salue également les co-débatteurs. Merci. Pensons à élever les débats pour que ceux qui nous suivent soient édifiés. Merci. Merci d'être là. Voilà, puisque nous parlons de l'opération conjointe signée entre les FARDC et la MONUSCO. Première question à vous, docteur Patricia Ngongo. Comment justifiez-vous cette opération conjointe entre les FARDC et la MONUSCO? Bon, vous savez que nous sommes dans une situation de guerre. Vous savez que déjà depuis plusieurs semaines maintenant, le gouvernement congolais ne cesse de mettre la pression sur la MONUSCO parce que seulement nous avons constaté que la MONUSCO a été beaucoup plus passive dans cette guerre alors que sa charte lui impose d'être là, de participer pour la paix. Je crois que c'est sous cette... Il a la mélange. La MONUSCO sous pression, on a pression à la population, pression au gouvernement qui est au lobby. MONUSCO, il faut qu'il y ait. MONUSCO, a comme qu'on comprendre qu'il y a une commune à Souka, à Lingi, à Luka, à Lissou, Soumane, Vaosala, Oebiso. Tozali, Nango, Tozotala, on a regard, mon quoi, avec beaucoup, beaucoup de prudence, parce que, Ebi, MONUSCO, déjà, c'est déjà plus de 20 ans. Je vous rappelle qu'il a été chassé récemment. Chassé où? Par les présidents de la République. Il avait même annoncé du haut de la tribune des Nations Unies que la MONUSCO doit partir. Mais c'est bien que progressivement, mais le président l'avait très bien dit. Mais oui, aujourd'hui, on est revenu. Opération conjointe entre les... Vini, oui. Il faut comprendre le fait. Le président, c'est le ministre des affaires étrangères, Tundula, venait de l'annoncer, je crois, la semaine passée, que la MONUSCO doit partir et puis doit partir beaucoup plus précipité. Parce que c'était pas avant décembre. Il dit que la MONUSCO doit partir au mois de décembre. Oui. Mais la MONUSCO, je venais de vous dire en préambule que pression au déjà population entière à Bandai Koutia MONUSCO, au gouvernement congolais Koutia MONUSCO. MONUSCO à comprendre que Bachi et Deva fait accompli des zongi dans le système non ébique et libre soit le bâti qui a participé les sous-souté na makambo ezali makambo etali makambo habitu mana terrain mais lelo andimi ko participer mais biso gouvernement congolais linko le bâti local la basengi qui basa la force conjointe pour nako protéger saga nini saki na goma et yangonde longoli qui kokende na bango basa la alliance basa la banini mais MONUSCO ko kende. Merci. Parce que nga particulièrement Namouni sous posa, namouni soutien na bango na République démocratique du Congo, parce que ça fait plus de 20 ans na mboka oyo guerre wanezo continue. Tunier ba maman bazo continuer koza la violer, bande kona biso ya basi bazo continuer koza la violer, bana baza ko continuer ko kufa et wana tozo beta masolo ya ba vie humaine, ya ba vie ya ba compatriotes congolais, MONUSCO passivité na bango eleki biso to moni ke bazali susu na tina na République démocratique. Une autre question à vous monsieur Serge Taboko. Na moni na banzi na utiko tanga document moro utiko parvenir et utiko tinde la mobiso depuis Goma, la ville était plongée dans le noir. Mais concernant communiqué wana opération conjointe entre MONUSCO et FARDC, la ville ya cité à Sakena, ville ya Goma, ozala protégée. Alors les autres zones sous occupation, sont na ozala ni. Vous avez la parole, vous avez la question, c'est autour de bango batazo dirigeant.
bayaki ba bombe torsia ki bemba yo na koti esili tout ça que monsieur Mourna yo tinebi ça que c'est nul ba ko luka nembongo ça change quoi parce que la MONUSCO est revenu est-ce que ndenga c'est mon rôle m'a donné on est des responsables on évite peut-être utiliser d'autres propos mais quand nous passons dans des médias tenez qu'il y a ceux qui nous suivent il y a aussi ceux qui sont très intelligents que nous nous avons aussi des familles. Et c'est lorsque nous sommes allés au bas de l'école, il y a une disposition qui dit que c'est la MONUSCO qui doit sécuriser un État. C'est dans quelle disposition? Lorsqu'on a créé l'Organisation des Nations Unies, même après la Deuxième Guerre en 1945, on a dit que l'ONU, ou bon, ici parlons de la MONUSCO parce que c'est une structure de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Basée dans la mission, il y a qu'on sécurise l'État. On parle de maintien de la paix. Mais avant de parler de maintenir la paix, il faut qu'il y ait la paix. Comment on peut maintenir la paix si lorsqu'il n'y a pas la paix? Cependant, dans la constitution de notre pays, dans son article 91-91, le gouvernement a sous sa responsabilité l'armée, la police, les services de sécurité pour sécuriser les territoires et la population. Revenons aussi à Lingala. Pour qu'on sécurise Mboka. Batona Baki pour l'année, parce que vous êtes incapable de sécuriser Mboka Nabino. Est-ce que partout dans le monde il y a la MONUSCO? Partout dans le monde il y a l'ONU. Baka pour l'année, c'est le temps que nous avons aussi baraté. Oui. Bon, à mon âge, j'ai eu la chance de parrainer, je crois, à ta 5 couples. Depuis quand on parle, on est mixé dans le couple, s'il n'y a pas de problème. Bon, ça, les locaux, on a bangou après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont gagné, ils ont pensé que, tant qu'on traite de l'eau à Boué, on crée un truc ici, des petits problèmes, pour éviter des conflits. Bitch, aux Nations Unies, on a pas de cowboy à Mouboulou. Une autre question, merci. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a des gens qui sont payés chaque jour. Ok. Pour protéger pour sécuriser la population. Ce qu'on a lobby avec beaucoup de gens, Goma, Nasaki. Bon, il est parti à Massis. Il est parti à Yaruturu. Bon, si Bounagan. Non, on sécurise. Car à Monisco. Et mon lobby, c'est long, la moni, il faut qu'il y ait un kaka. Parce que ça a 20 ans. Mais ça a 20 ans, parce que ça a yaki, place qui mes ali. Bon, vous êtes incapable d'organiser, de gérer votre société. Merci, vous avez épousé vos mises. Je termine. Ok, termine. Pour dire que lorsqu'on est intellectuel, il faut se poser des questions fondamentales. Ok. Depuis monde banda, le conflit de guerre est où t'as wapi. Et où t'as c'est lorsqu'il y a l'injustice dans la société. Ok. Lorsque les ressources sont beaucoup et aux ala. Menacées. Non, équitabilité dans la répartition des ressources. Répartition, oui. Tant qu'on a un moutouraïe, il y a un misawa, tout ça qui est Michel Soukao, Isidore, il y a un finance, il y a un moutouraïe, il y a 48 millions, mon soir habite 400, soit 320 millions. Banda, tu as vu, Bango, attends, il y a 50 000 dollars, il y a un vie à Batouan. Les gens, ils se prétendent qu'ils sont bons, qu'ils sont bons. Maintenant, d'autres esprits faibles, ils sont bons. Bango tu es à la bonne ligne Bemba, es à la Félix, bango tu vas parler à bango Museveni na Kagame. Oh, épuisé déjà mais. Donc ça fait mal mon frère. Il n'est notre baba Congo parce qu'on contre Kokufa. Il y a son monis qui faken. Mais c'est Dan Kapiamba. Pour le président Félix avait lui-même yemorona une tribune des Nations Unies à le belaki bilan à MONUSCO qui est allé négatif. Mais aujourd'hui, chose étonnante, MONUSCO en haut le sous, car ayo ana sous baï sous na FARDC pour n'a pas protéger ville à Goma. La ville à Saké. Alors, certaines zones où ils ont sous-occupation, il y a des rebelles. Conséquence, c'est où ils ont. Merci beaucoup, messieurs. Oui, vous avez aussi 5 minutes. Ouais. Merci beaucoup. Non, oui, Bissara, on a négocié, c'est beaucoup. Ce qui est exagéré est insignifiant. Ok. Bah, toutes les questions, mon coup, c'est très simple. Il fallait répondre en haut avec la froideur, avec beaucoup d'énergie, mais. On a vu les agitations, il y a eu mon retombé même dans la contradiction. Quand on parle de départ, il y a MONUSCO. Et puis, raisonnement, il faut situer où on attend. MONUSCO est lié à Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir à Kouti MONUSCO. Et il est dans le processus, il y a un départ, il y a MONUSCO. C'est ça, il faut situer raisonnement où on attend tant qu'on est. Le président Félix Antoine Tshisekedi demande le départ à MONUSCO avec justement l'accompagnement na Oetobenga monté à puissance et à force armée. Est-ce que réellement là... Le président n'a pas croisé les bras. Okay. C'est une situation connue de tous. Il n'a pas croisé les bras quand il est arrivé au pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a justement les renforcements, il y a qu'équiper armée Nabiso, il y a qu'au poussant et monter encore une fois en puissance. À travers justement la loi des programmations militaires qui n'a jamais existé. Mais actuellement, déjà, s'il vous plaît, la ville de Goma est en danger. La ville est-ce qu'il y a vraiment la mission du président Félix c'était de balkaniser les pays? C'est une très bonne information. La ville de la Goma. La ville est en danger actuellement. La ville de Goma. Nous sommes en train de parler. La ville de Goma n'est pas en danger. La ville de Goma est coupée en électricité, pardon,
pour suite il y a bah comment on les obligue dans ma c'est ça que je suis en train de faire sans danger. Les FRDC ont infligé une leçon disciplinaire sans précédent dans le Rwanda. Il y a eu une suite aux affrontements entre les FRDC et les M23. C'est ce que j'ai dit, que la ville est en danger. Je suis en train de répondre. Okay. En danger par rapport à quoi? Parce qu'il y a eu coupure d'électricité, tout simplement. Parce suite aux affrontements. Suite aux affrontements. Depuis les affrontements qu'on s'est poursuivre. Attendez, Ndekovini. Ok, finissez. On est en train de réfléchir. Okay. La ville de Goma est coupée en électricité suite aux affrontements entre les FRDC et les M23. Je vous dis aujourd'hui, les FRDC ont infligé une leçon disciplinaire sans précédent. Ça n'a jamais existé. Les officiers rwandais sont tombés aujourd'hui dans la nuit d'hier. Okay. Donc, c'est une information au Ndekonanga, il fallait qu'il a salué. Je vois, quand, ça me fait très mal de voir certains Congolais. Aujourd'hui, les Palestines, voire même l'Israël, Bacheba et Gona Bango à côté, pour privilégier l'intérêt de la République. Mais en face de nous, nous avons quel opposant? Nous avons des opposants qui relayent même l'information. Il est arrivé ici, dans le plateau, à l'Obinde, à déplacer, il y a 5 millions de déplacés internes au niveau de la République démocratique du Congo. Mais il n'a pas salué les efforts, il y a FRDC Nabisso. Ici, j'ai parlé de la montée à puissance de nos FRDC. Ouais. De la loi de programmation militaire. Je vous ai parlé de la loi de programmation militaire. Ça n'a jamais existé depuis l'indépendance. Aujourd'hui, notre armée a une loi de programmation militaire. Aujourd'hui, notre armée a recruté plus de 40 000 hommes. Aujourd'hui, notre armée a une société, a une usine de production de tennis. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, notre armée a un budget alloué de plus d'un milliard de dollars. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, notre armée a maintenant des messes d'officiers. Puisque vous avez, s'il vous plaît, je vous donne, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas les dangers dans la vie des Goma, et que si réellement il n'y a pas les dangers actuellement, est-ce qu'il y aurait eu cette opération conjointe entre les FRDC et la MONUSCO? Une question à vous. Monsieur Vini, on avait suivi tous les ministres des Affaires étrangères qui avaient dit devant les ambassadeurs que si une balle tombée à Goma. Non, c'est ce que le ministre a dit. Ouais, mais actuellement, c'est que nous vivons. C'est autre chose. C'est les villes, c'est les villages d'environnement de Goma qui sont en danger, je peux dire. Mais pas Goma. Parce que Goma aujourd'hui est sous contrôle de nos FRDC. Goma aujourd'hui, d'ailleurs, je vous informe, les chefs d'état-major étaient hier. Le chef d'état-major, dans Minute Oyo, à Zana Goma. Goma n'est pas menacé par les M23. Okay. Goma, ce sont les villages environnants qui sont menacés par les M23. Merci. Donc, pour vous informer, les FRDC sont en train de faire un grand travail, le travail qui mérite. Laissons aussi la parole. Donc, venir sur un plateau de télévision avec des contradictions. Quand nous demandons le départ de la MONUSCO, ce n'est pas par aventure. C'est parce justement, la MONUSCO échoué dans sa mission. La mission de la MONUSCO, c'était de pacifier. Merci. Donnons la parole aussi à M. Dan. Merci, M. Dan. Mais c'est Yves Diasson. Non, mais je vous donne la discussion. S'il vous plaît, c'est moi qui dirige les débats. Je vous donne. Allez lire la Charte des Nations Unies. Vous êtes mes co-débatteurs, c'est moi qui dirige. Lisez la Charte des Nations Unies. Mais la MONUSCO, tu nous dis, c'est parce que vous parlez. C'est lui qui avait la parole. Monsieur Dan, on va donner la parole à Monsieur Yves Diasoma. Monsieur Yves Diasoma, sur Ali, n'a bon souvenir. À l'époque, Toroki Koloba, témoin, Monsieur Mouzito, Adolphe Mouzito, ancien premier ministre, Barossa, tout pour investisseur, a été Namboka. Donc, pour dire que. Investisseurs sont mon insécurité, ils en ont beaucoup à arroyer. Les lots d'insécurité, ils allaient continuer. Est-ce que, Roki Kolobanin, pour Nali Kambo Oyo, président est parti Nabina Lobara, et puis les lots, actuellement, ils allaient continuer. La RDC vit toujours en insécurité, et surtout la partie Est, et puis investisseurs, ils allaient dans la difficulté à investir dans le Nabiso. Pour Nayo, comment jugez-vous les propos de l'ancien Premier ministre qui est le président du Nouvel Élan? Maintenant, nous sommes en Boka, dans ma loba. Et nous avons juste un point où la question est posée. Avant la quota, ou bien avant de regarder le mandat, je suis en train de me faire un peu. Ok, ok. En rapport avec l'opération conjointe, c'est ça? Non, je commence d'abord par la question. Ok. En ligne, soyez aussi bilingue. Ok. Vous savez, au Congo, en RDC, deux fois. Nous sommes, comment dire, nous vivons deux fois dans des habitudes, deux fois qui n'honorent pas. C'est-à-dire, nous sommes souvent caractérisés par le lingue moko boui. Il y a qu'au vivre.
Ils ont le lingé à Mabé, mais on ne sait pas qu'ils ont Mabé. C'est devenu comme une habitude. Voilà. Oui. Habitude, on a les alcools qui savent que les Congolais ont une habitude à autant gâter. Il y a des années à Moutou. Ce qui est Wini. Oui. Les rumeurs. Et mon père, on a oui. Ni on est commenté. Akomane a babagi oui. Oui, babagi oui. C'est-à-dire? Mouzito n'a pas dit que ako crée insécurité na Congo. Mouzito n'avait pas dit qu'ako crée insécurité, mais ba ba osa la nyonso ben investisseur ba yate. OK, congolais la ndanga malam. Oui. Mouzito avait dit ceci. Tant que volonté à peuple les autres à la respecter té na urne, c'est-à-dire toke urne to voter. Moutou, oh, population a voté, peuple a voté. Seigneur a publié. Ça signifie que contestation est bonne. Tant que contestation est bonne, il y a un peuple, ça dit crise, il y a une institution qui est bonne. Il y a que population a bonne reconnaître l'animateur qui est bonne. Mais déjà, il y a aucune. Là, il y a aucune. Il y a bonne reconnaître l'animateur qui est bonne. Dans le sens que, nous avons voté qui est bonne. Allez dans le sujet. Sukoyo. Oui, entrez en moi. Tant que crise y a bon que ça, les maïs, on a rosa la caca. Parce que, attends, il y a 2018, attends, même il y a l'élection passée. Oui. Et bien, crise, ils ont continué. Dans la continuité, on a crise. C'est-à-dire, investisseurs, mon côté, au CPL, quoi, qu'on investit dans la population, on a confiance dans l'investissement. Non, Adèle, vous monsieur, avez dit trop ça là tout. On fera tout. Non, non, non. Oui. Non, non. Sans n'a zoloba. Sans n'a zoloba. Sans n'a. Maintenant, moi, je vais poser aussi une question. Compréhension à malobane, ils allaient à Kabongo. Selon Yoto, son nom. Non, non. Compréhension à maloba. On a le bis. Selon Yoto, selon Yé. Ce sont les ennemis de Mouzito. Ils ont battu. Oh, Yobalinga. Yobalinga. Mouzito. Yakolobamo, ils ont secrété. Ils ont secrété. Ils ont secrété. Parce que ce que Yolini Mouzito, au lobino à loba, on tient insécurité. Mais tout ce qu'il propose dans Mboka, vous avez un mot. Vous avez. Voilà. On est à faute, on est à blanc au Landati. Voilà. Na côté, je suis là. Je regarde mon dame de Konanga. Yo lobby, Ndeko. Le nom, pardon. Dan Kapiam. Ndeko Dan. Ah, Ndeko Dan, Ndeko Nanga, Dan. Yo lobby, Félix Akuta Monisco. Et t'es même à Monisco. Et alors, et à Sena, n'a même pas. Parce que, et à Sena Monisco, et l'okomoko, n'a mis sur la Congolais. Et c'est le moko. Ils ont le moko, on a été changé. Et puis, au loba, vous menez la réforme en armée. Rapidement. 40 millions, tout ça. Bon, disons 40 000 militaires recrues, tout ça. Ne qu'on a gagné. Dans la quantité armée en Congo, on a 40 000 bobak ici. On a la réforme en armée. Ok. Et le côté. Merci. Alors que, na effectif, il y a un armée en Abyssos, on a 10e. Je crois en 2016 ou 17. Na au bout de l'eau, parole pour tout le monde, docteur, merci. Voilà. Et na au Italie, opération conjointe Sokina Monusco, Ndekonangai. Oui. Je l'ai toujours dit. Allez. Na ebi na ngai mboka mokote na mokili, o iza na guerre wapi kwenti kwe banda laskati Japon. Mais la RDC, la guerre a commencé depuis jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue toujours. Toza deuxième Israël. Mboka mokote na ebi na mokila, o iza na sécurité, iza bitumba disons. Mon histoire qui n'a pas été mis. Donc, pour Nayo, vous proposez Mboka ou Yabiso. Proposition, allez vite. Justement, Moutarocha, sécurité dans Mboka Nabiso. Et ça, Biso, Moko, va Congolais. To mené ma réforme en armée. To longola Mayanzi, Oyo. Et Kota Kota Biso, armée. Pourvu que. To nettoie armée. Pona. Yango, mon armée, Nabiso. Ah, de l'autre, on a Wazalend. Merci, Wapiso. So, t'as Wazalend, on a. Apparemment, vos ennemis sont épuisés, merci. Docteur Patient Ngongo, Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, insécurité au continent Mboka. Quelles sont les réformes, lui étant que ministre de la Défense, donc il est limité Karawana, lui étant que ministre de la Défense, et puis Ayebipe Makambuya, Défense, comment évoluera Mboka Nabiso depuis qu'il est opposant ou aujourd'hui il est dans le pouvoir. Merci. Vini, c'est que j'ai compris, c'est que Nga Nazulang Nazulang a deux minutes.
magistrats soient... Non, vous avez, non, vous avez maintenant la parole. Ça veut dire, laissez-moi vraiment réfléchir. Non, parce non, que non, 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 les médias, les problèmes, les problèmes que nous avons, c'est que les médias, c'est les... Non, les médias, c'est les... Non, oui, c'est égalitaire, bien sûr. Ce n'était pas égalité. Maintenant, je vous donne la parole, oui. Soyez bilingue, oui, parlez. J'ai dit, je commence d'abord par le pasteur Serge Taboko. Ok. Pasteur. Oui, oui, ils ont le rôle. Rapidement. Au bandit des Basika na TV. Au lobeli maramba monisco le rôle a surpris que monisco est là. Au lobeli maramba monisco le rôle a oyebi charte des Nations Unies. Tous au moi même que monisco est radical ou y a Nations Unies. Par rapport y a charte on a des bas créé monisco des allés loboué. Et lobi boué na charte. Il faut à maintenir la paix. Maintien de la paix, il n'y a pas raté que, et si Kokouti Kimia, ce qui Kimia Zabaoti n'est pas pour l'année. On l'envoie à des zones de conflit. Au autant que l'anga pays mort au Kimia Zabaoti. Je suis le seul à poser donc, des questions. Donc ça veut dire que, Makambozo Kanisawana et Zabongo Tende était Tambolaka. Et puis il faut que le Congo soit membre des Nations Unies, il faut que la cotisation. Ok, merci. Bah. S'il vous plaît, docteur, allez droit au but. Mais c'est ce que, vous m'avez posé la question. Vous êtes encore recadré d'abord par rapport à ce qu'il... Vous l'avez bien sûr recadré. Mais laissez-moi rebondir. Ok, rebondir. Et puis, vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba est arrivé... Aucune réforme. Aucune réforme pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Comme ministre de la Défense. Oui. La première des choses qu'il a faites, je vous informe, il a commencé par faire le programme stratégique. Il a présenté ça au niveau du Conseil des ministres et puis le Conseil des ministres l'a adopté. Vous avez lesquels de ces programmes jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été appliqué on alors. Appelle ça stratégique. Et puis il faut savoir que nous sommes en état de guerre. Okay. La guerre, Sun Tzu a dit, la guerre on sait quand ça commence, quand ça se termine on ne sait pas. Et puis laquelle des guerres? La guerre de la République démocratique du Congo qui dure plus de 24 ans. Oui. Jean-Pierre Bemba est arrivé ministre des Défenses, il a commencé par mettre une commission de montée des grades pour savoir qui est qui dans l'armée. Pourquoi? Parce que nous savons que notre armée a été infiltrée. Jean-Pierre Bemba, quand il est arrivé, il a commencé par évaluer les accords. D'abord, l'accord de l'EAC, vous vous rappelez qu'il a appelé... Tozali Wapi. Vous m'avez posé aucune réforme. C'est ça. Nous mais laisse-moi répondre. Répondez. Tozali Wapi Lelo, nous sommes à Benyango bien un programme, un projet. Le projet stratégique de guerre ne se fait pas comme projet Zoteka Pondou Nazandou. Projet stratégique de guerre, des gens qui connaissent mais, les études de guerre. Sun Tzu a dit même que la guerre a plusieurs phases. Et puis, il ne faut jamais, jamais s'hasarder d'aller à la guerre quand vous ne vous connaissez même pas à l'intérieur. Mais l'armée que nous avons trouvée, ce n'était même pas une armée. C'était une armée infiltrée. Mais régime la de population, qu'on vous devez savoir maintenant maintenant, cher Vini, nous sommes dans une phase active. Nous étions dans une phase passive parce que pourquoi? Parce que nous devions d'abord évaluer notre capacité de nuisance. Maintenant que nous avons formé le militaire, maintenant que nous avons acheté beaucoup des armes, maintenant que nous sommes sûrs que les infiltrés, la plupart des infiltrés sont sortis de notre armée, nous sommes capables aujourd'hui de nous battre. Et puis il faut savoir que notre accord de cesser les faits va disparaître bientôt. Merci. Et puis vous allez voir la force des nuisances de l'armée congolaise. Merci. Monsieur Taboko, une autre question à vous. Le président Tshisekedi a tout fait pour mettre fin aux hostilités ou à l'insécurité qui règne dans la partie est du pays, notamment en mettant l'état des sièges, l'EAC, la MONUSCO aujourd'hui, encore avec les FARDC. Comment analysez-vous cette pensée? Bon, merci beaucoup, malgré on a passé. Vous m'avez dit que Matina Souka, à quelques mois, à un mois des élections. Régime de Kofix, dans le régime de Bazalo, pour la cancer, tout le cas, produit Nino, Sengerito, Pesa, pour qu'il soit coimpité, Kakalikolo. C'est vraiment un temps perdu. Nazor a appelé Nande Konangaï. Il a levé l'option de sous-traiter son intelligence pour défendre le mal le 22 septembre 2019. Mais pourquoi plutôt les efforts du président Félix, vous les saluez jamais? Il faut les démontrer. Pourquoi vous les saluez jamais? Il faut les tous démontrer. Ces efforts. Par exemple, tel l'état des sièges. Mais c'est n'importe quoi. L'EAC. Bon, je peux répondre. L'opération conjointe. Vous allez me laisser l'état. Oui, répondez. Mais quand même, il a la volonté. Non,
Il a quand même la volonté de mettre. C'est ça. Mais vous me relancez avec beaucoup de questions que moi je vais pas. Ok, parlez. Vous avez la parole. Le 22 septembre 2019, Félix a dit ceci. J'ai trouvé une armée structurée, organisée. C'est quoi, Félix, il dit, le 22 septembre, Là, c'est ce qu'il avait vu. Oui. Continuez, vous avez encore la parole. Si je peux peut-être dans 30 secondes balayer tout ce que vous voulez dire. Certes, dans la constitution, conformément à l'article 85, 144, 145, ainsi de suite, on parle de l'état de siège lorsque le pays est menacé. On peut voir l'état de siège. C'est constitutionnel, bien sûr. Mais le cadre, l'état de siège, ça c'est juste un cadre juridique. Ok. Mais le fond, c'est pas ce qu'on est Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est les incantations. Gratuité d'enseigner. Ça, ce sont des incantations. C'est pourquoi mon. La gratuité est une réussite. Non, mon frère, il faut pas dire. Continuez, soyez dans le débat. Continuons. Les écoles sérieuses là. Continuez, nous sommes dans les débats. Bon, c'est votre droit, mais permettez-moi de parler. Ok, d'accord. Malgré mais c'est insuffisant. Ok. Parce qu'il y a des écoles, classe au coup, tabana, 80, 90, qui n'a pas précisé par UNESCO. Classe école, les cabanes à 30 cités. Parce qu'il faut mon azo à devoir. Donc, malgré gratuité, on va programmer gratuité d'enseignement. Oh, c'est un système, il faut tenir compte de ma ressource matérielle, financière, humaine, ainsi de suite. Il faut recruter dans nos enseignants, on va couper ça dans la cour. Il faut bien faire ce tu. Hier, moi, je crois qu'on a un Côte d'Ivoire, tout ça, qui enseigne, mais il fallait enseigner, non pas la qualité. Il y a une gratuité d'enseigner. N'est-ce pas, il y a un bombardé, il y a une invitation pour formater l'esprit, loi de programmation. Ça, c'est le papier. Et ça, on va construire le lobby, l'article 48 de la Constitution, l'OLT, c'est un droit pour chaque Congolais. Et c'est aux humains. On est un cadre légal. C'est quoi ça, cette histoire? Budget 1 milliard. Yo sou koute la militaire moko tout nobi kengane nazo senti budget 1 milliard. Militaire congolais va foutre 240 000. Ou pas gende la banque 240 000. Non, mais récemment, tu auras qui va salaire immata. Na émission 240 000 francs. Bane bazon. Ben nazali bo, omoni ba. Les militaires congolais. Je te parle, nga nazo ba la télévision. Ok. Omoni meuble intelligent. Ba immeuble yo soile, ba policier ba outiko ben nga nazo bounde la bango na minute yo. Ok. Ba. Les vendus, ils sont en détachement. Ils sont en période, il y a ma tante, il y a un régime passé. Okay. 120 $, Colia, moi, poulet, na soso, na transor. Régime à Félix, il y a un foot, il y a 4 $, comme la France, 220 000 francs. Non, mais les présidents. C'est pas ça, ici, moi, je suis en foot. Le président, il y a un mec très bien payé, il y a bien assis. Ils sont en incantation, ils ne peuvent pas se bombarder, ils ne peuvent pas se former. Ça, c'est ce que. Moi, j'ai dit, c'est que. Mais toi, tu parles où tu montres ce qui est. Tout ce que je veux dire, c'est que il y a Félix qui a écrit le sacono. On m'a menti, au lieu de 21 000 éléments, c'est 10 000. Mbongo ya Ezra qui détourne le parlement par le bique, Mbongo ya Kenda, tous les Osuka, 70% Osuka, Yazoba Bige, Mbongo ya Kenda. Donc, Babilo Gazolo va peut-être, j'ai dit, mon jeune frère, okay, chuté, ouais. Oh là là. Vous avez la parole. Mais je parle, vous avez la parole. Laissez-moi le temps de parler calmement. Parlez. Il vient peut-être, il est formanté. À l'obi. Après ce qui va député n'est pas soutenu bango na ngaliema tout lingaté ba tout ba yimbongo à l'état mais lui-même il est à l'union sacrée bon monde ba toyi bambo de lui c'est ça j'ai 13 je crois ba une proposition de loi que cette fois-ci ton pays qui ça makambo comme ma ba bien ma nature ainsi de suite ne conflit si bambo ça va boy yango ba zo compter au câble auto hier on est à l'union sacrée arbitre ba tout ba yimbongo ce qu'on a dans bambo à l'état opposition aux bambo le kolanga na aux bambo à part les bango ndenge ba aux bambo. Donc, nous avons ramené ce qui est un débat. Dans le Conseil de sécurité, il faut que c'est-à-dire avant que l'organisation des Nations Unies et peut-être les membres de l'État qui en place, il y a toujours des résolutions. La MONUSCO au Congo n'a pas un mandat offensif jusqu'à preuve du contraire. Bah pèse ça il n'y a pas Félix Abeta qui est sur chaque et a un mandat offensif. Il y a un général ougandais. Alors, Félix Abeta peut prendre la vérité. Et c'est qui pour la création de tempo, tu as dit au Bundate. Où tu connais ces mains, nous l'habitez. Voilà, chef d'état kenyan, le bac qui est au Canada. Chutez, monsieur Tabouk, vous avez la donc, MONUSCO a qui pour la maintenir. Perdu Corbanine, n'a niveau à compréhension communauté internationale. Il pense que, et la réalité, c'est ça, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas un conflit de guerre entre des états, okay. C'est un problème congolais-congolo.
Ça dit que le groupe armé est allé dans l'Est, dans Mboka. Alors, la MONUSCO peut venir pour faire quoi? Pour qu'on partage, c'est-à-dire créer un climat de paix. Bon, c'est pourquoi on nous demande de respecter les accords ici dessus. Les accords, là, ce n'est pas entre les étrangers. Maintenant, il y a un autre élément où nous sommes Kagame et nous sommes venus. Nous allons utiliser, nous allons que. Entre guillemets, selon Bango pour la Kokosa, bazar la minorité, tout ceci, surtout bazar la Congo, bazar la Congolais, mais ils sont menacés. Et un autre discours, monsieur, pour terminer, okay. Il y a des rebelles, au Bakima qui sont en Ouganda, au Bakima qui sont en Rwanda, bazar la Congo, bazar la Kerozonga Kuna. C'est dans cet angle-là que la communauté internationale, pour éviter le problème, bon, yon, quand on a battu là, pour éviter des problèmes. Mais en réalité, tout le monde sait. Okay. Que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas guerre au Congo. Est-ce que nous déclarer guerre? Okay. Et ça, c'est Félix a déclaré guerre. C'est la résolution qui a poussé la Nation Unie. Mais tu commences maintenant à me poser des questions. J'ai dit que la MONUSCO n'a pas un mandat. Merci, n'a pas un mandat offensif, monsieur. Que vous avez utilisé vos minutes. Une autre question à monsieur Dan. Pour qui connaît sa opinion sur le plan sécuritaire, président Félix a échoué, si il a échoué ou si il a réussi. Merci beaucoup de Govini. Je vais répondre à votre question maintenant le côté moi bio mon mangwa. Vous avez vite quand vous avez des Serge Taboko. Neko. Dans la loi des finances et la République démocratique du Congo va fixer un salaire toujours en francs congolais. N'habité $120 ma tata bando futa, c'était na Faden House, tous les dans la République Moussousou à pas République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, même le président de la République est payé en francs congolais. Mais il y a un salaire à $120. Le coûte tout simplement pour se tirer la sympathie à la population ou se tirer la sympathie des jeunes. Okay, et puis quand il parle de gratuité de l'enseignement, gratuité de l'enseignement, ce n'est même pas une grâce. Moi, je ne peux pas venir dans la gratuité comme une grâce à président de la République. Non, c'est une obligation constitutionnelle. Le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir à Monique, il y a des enseignants, des enfants au Babanda Kotangate. Alors qu'il y a un article de la Constitution qui disposait que l'enseignement primaire fait à la gratuité, il en a décrété. L'article donne l'argent. S'il vous plaît. L'article donne le bâtiment. Et puis, on ne peut pas parler de la gratuité. S'il vous plaît. J'en arrive. Je réponds à votre question. J'en arrive. Et puis, on ne peut pas parler de la qualité d'enseignement sans parler de la qualité de l'homme où il y a quoi enseigner. Oui. Les chefs de l'État ont trouvé un enseignant à 70 000 francs. Aujourd'hui, un enseignant à 400 000 francs. Plus de 400 000 francs. Plus de 400 000 francs. Plus de 400 000 francs. Okay. Combien de nouvelles unités aujourd'hui, dans le ministère, il y a EPST qui sont mécanisées et payées? Ça, ce n'est pas les. Vous venez à la tête. Il y a plus de. Il y a plus de 20 000 nouvelles. Ils n'ont jamais été mécanisés. Il y a plus de 20 000 nouvelles unités aujourd'hui qui sont mécanisées. Nous également, on va la payer. Mais nous également, nous sommes informés. Mais justement, il y a des normes mécanisées qui existent. C'est un processus. Puisque vous parlez, depuis 2006, que disposition légale, voilà, et ça a été mise en place, mais jusqu'à là, c'est le chef de l'État qui a suffi. Je vais citer, tant que le Belamaramounde, il y a beaucoup de difficultés pour parler dans ma propos. Neko Yves, Mouzitou a dit dans TV5 Monde que nous allons créer l'instabilité pour nos investisseurs. J'ai relayé s'il vous plaît, expressif verbe. Expressif verbis les propos de Mouzitou. Nous allons créer une instabilité. C'est encore quel moment? On doit parler comme des Congolais, des Konangaï. C'est que vit nos frères de l'Est okay, aujourd'hui, c'est une situation où il faut inquiéter toute la population congolaise. Donc, on y a été avec les incantations de Konangaï où tu cours rappeler. La mission dirigée la population congolaise. Olobi, je n'ai plus peur, moi, quand vous parlez, Ndeko. Olobi, la mission des Nations Unies a une mission, permettez-moi la tautologie, permettez-moi la répétition, a une mission de maintien de la paix. On ne peut pas maintenir la paix là où il y a déjà la paix de Konangaï. Et puis quand vous parlez de l'EAC, les caractères polygamiques au Babenga en relation internationale, ce n'est pas prohibé à un État. La force régionale n'est il faut décrier parce que mission na bango ezala qui pour nous mettre fin na insécurité mais jusque là ba comité mais au moment le Belate EAC c'est un échec demande à la population il y a est de la le EAC
Les EAC n'a rien à voir avec la force régionale. La force régionale, c'est une mission à Katia. Aujourd'hui, les Congolais qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, question, monsieur. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Vous avez 30 secondes, répondez à la question. Les Congolais qui sont dans les affaires économiques avec les pays, il y a la communauté, il y a l'État d'Afrique de l'Est, ils sont exonérés dans l'opération économique. D'accord, il y a Congolais, les Congolais ici. Les Congolais qui étudient dans les pays membres, il y a l'État d'Afrique de l'Est. Ma pays membre a été Afrique de l'Est. Aujourd'hui, ils payent les mêmes frais. Ils sont au nombre de combien? Aujourd'hui, ils payent les mêmes frais, alors qu'avant, on a foutu à plus. S'il vous plaît, oui. Plus cher par rapport à... Merci, vous avez 30 secondes. Pourquoi, comment, échec, et ce qui réussit, comment il a sur pu les réussir plans, sur les plans la sécurité. Oui. Je l'ai vu ici évoquer, négliger même la loi des programmations militaires qui était un élément important pour une armée à travers le monde. Aujourd'hui, notre armée manquait de réservistes. On a aujourd'hui une loi, il y a des réservistes. Oui. Aujourd'hui, l'armée n'a pas besoin de réservistes, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Russie, comme c'est le cas Laissez-les finir, vous aurez le temps de parler. Vous aurez également le temps de parler. Je souhaite même un débat contre avec le Vous aurez aussi le temps de parler. Monsieur, vous avez encore la parole. Vous avez encore le minute de parler. Si vous voulez, M. Tabour. Je vous amène à l'élément, à l'indicateur qui sont. Allez droit. Je vous appelle 40 000. Près de 40 000 hommes recrutés aujourd'hui. Plus d'un milliard de dollars à budget. Armée Nabisso, on est au Kabila, on a même ma messe d'officier, on a mis place Bachara GLM, messe d'officier, ça va être un militaire, on va passer à manger. Aujourd'hui, ma messe d'officier, ils ont renouvelé la voiture. Merci, dans la zone. C'est des informations. S'il vous plaît. Apaisez-vous, s'il vous plaît, dans la zone. Ce n'est pas, mais c'est pas nous. Je vous reviens tout de suite, S'il vous plaît, monsieur Yves, vous avez la parole, monsieur Yves. Comment avez-vous trouvé les analyses de monsieur Dan, par rapport aux propos qu'il vient de dire suite à ce que M. Adolf Mouzito, ancien Premier ministre, avait dit sur les zones de médias internationaux. Sur ces points-là, je répète. Au moins, il n'y a pas l'Andara. Dans la lobby. Les Congolais ont suivi. Quelque part, donc, tu as tapé dans moi un chic, malgré que les lobes avaient un chic, mais tu as tapé dans moi un chic. D'habitude, Nabi Sonde, tu as un bongo. Congolais a en tout cas azwaraka ebandé. Non, allez. Là tu as commenté sous capé a commenté. C'est comme ça. De OK, azwika parti mon repos côté wana ya sepel nango, côté kuna msuso a mona ino branche wana non. Est-ce que étant que Congolais. Okoki konzima parce que vous n'avez pas réussi aux élections parce qu'un camp politique n'a pas réussi aux élections. Attendez s'il vous plaît, attendez. Un cas politique n'a pas réussi aux élections, puisse dire à la télévision, par exemple, non, insécurité fait continuer dans Mboka Nabisso parce que nous n'avons pas gagné, parce que la population a voté pour telle personne, mais nous allons créer l'instabilité, les investisseurs ne viendront pas ici au pays, parce qu'il y a une instance qui a proclamé telle personne président. Est-ce que, étant que Congolais, pouvez-vous dire ça? Papa journaliste, ceux qui... Non, répondez d'abord à la question avant que nous puissions. Aux super vidéos, on a ok. Les vidéos sur les réseaux sociaux. Je pense que ces vidéos se trouvent encore sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, allons petit. Justement, répondez à ma question. Oui. Moi, je vous avais posé cette question en premier lieu. Effectivement. Et le co-débatté a aussi posé cette question. D'accord. A aussi. Je vous réponds. Vous êtes là. Répondez. J'insiste. Mujito, on n'a pas dit que je vais créer l'insécurité. Nous allons créer. Même nous, là, il n'a pas dit ça. Il avait dit il quoi n'a pas, il a dit oui. Dans un pays où le suffrage du peuple n'est pas respecté, oui. Ça dit il y a quoi?
il y aura crise après élection. Dans cette crise-là, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il y a la crise. Et dites-moi aujourd'hui, il nous a promis, mais c'est ce qu'il nous a promis, l'Allemagne d'Afrique. Dites-moi. Et déjà, il vous dit, le policier d'Allemagne d'Afrique touche combien? Oui. 400 000. Qu'est-ce que c'est du 220 000, 220 000. Okay. Dites-moi avec le 220 000. C'est ce qu'il nous a promis. C'est ce qu'il nous a dit. Les policiers auront touché. Les policiers auront un mandat. Nous sommes comme président. Les policiers sont capables de faire un mandat. Ce n'est pas ce qu'il a réalisé. Les policiers auront un mandat. Jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'il a réalisé. Dites-moi. Les autres auront un mandat. Mais les policiers sont bien payés. Pasteur Serge a insisté. Les policiers sont bien payés. Bafé, bafé. Papa, biki aux hommes en Oyo, Kalangi Oyo, il permet à Bissot comment pour rapidement rapidement. Mais les écrits là, écrits à l'aise, ont mis où étaient les maisons là. Mais dans le fait, dans, ses paroles, dans la pratique, se sont envolés. Justement. Ok, on passe à M. Taboko. Mais donc, s'il vous plaît, il a dit des choses ici, deux fois. Mais chutez rapidement. Et ça, l'IPCC, on dit. Je vous ai donné la parole, vous n'avez pas encore parlé jusqu'à présent. Non, j'ai souhaité de parler. Non, vous tergiversez. Vous voulez. Non, non, vous voulez. Parlez, vous avez la parole, parlez. Justement. Oui. Lui dit EAC et pour Tebiso, avantage. Mais avantage à Mazotanga. Oh non, avantage économique. Ils ont baxé sur l'économie, tout ça. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez vite. Allez vite. Bon, quand on y a bien monté que les Congolais ont marché. Allez vite, oui. Ah, on tout goma, ah, ils ont une insécurité. Ils ont boya. Goma, là, ils ont boya. Société produit ça, qui fournit ça, courant. Ils ont une incapacité à rétablir le courant. Pourquoi? Parce que, bitumao, ils ont un tout cocaté. Allez, comment l'installation? Ils ont un EAC. Allez. Apporter plus d'avantages, avantages, tant qu'ils étudient, matanga, kuna, négatunio, bazar. Allez rapidement. Et avec ça, d'abord, EAC a sali et l'autre. EAC égale Monisco. Ok, merci. Pour n'anga congolais. Pour n'anga congolais. La force. EAC. Mais c'est à vous que vous avez. Ça, c'est la Monisco. Ok, lorsqu'on parle de la Monisco. La Monisco, c'est qui? On va l'ONU. On va l'ONU. Mais c'est cette force-là de EAC. La force EAC. C'est une instance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlez de apaiser. Il y a qui n'a pas Congo pour n'avoir tiré d'intérêt au Yabango. Merci. Il y a balkanisation. Merci. 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 Merci, monsieur Yves. Monsieur Taboko. Martin Fayulu, dans le cadre de la tournée, a déposé qui plainte suite il y a Viva qui n'a chikapa et puis bah propos tenu par le gouverneur de la province du Kasaï central John Kabea. Comment jugez-vous cette plainte de Martin Fayulu? Cela n'est-il pas une fuite en avance? Parce que déjà en ces moments au beau porter plainte erto comment la élection comment oh non on a zala qui n'a chikapa, j'ai été sauvagement attaqué violemment etc tout. Bon, d'abord, on a rien à rappeler à la jeune frère. Rapidement, puisqu'on n'a plus le temps. Si c'est une certaine connaissance, il parle avec beaucoup d'arrogance, soit aux compagnons qui ont besoin de battre. C'est-à-dire la force régionale, ils allaient diriger dans le bateau, dans le constitué, et assez. Pour ça qu'on parle. C'est-à-dire, il y a les Rwanda, il y a l'Ouganda, c'est-à-dire six pays. Allez rapidement, oui, allez. Allez, monsieur, vous avez la parole. Laissez-le là, s'il vous plaît. Vous avez pris. Vraiment les ce sont eux qui mettent les moyens matériels, moyens humains, moyens financiers, ainsi de suite. Donc, ce qui va décider, c'est que les régions sont coexistent. Vous comprenez? Donc, éviter la confusion dans mon tunnel. Félix, c'est le cas qui s'y France 24 à l'Obibo. Et si on les a dit qu'il avec un mandat facile, on dit que les journalistes sont à la Mindele. Au cas où on monte au M23, on va ok, merci. Donc, il ne faut pas venir dire des histoires. Déjà, la régie me signale que nous ne sommes plus. Nous sommes restés avec. Peut-être dans 30 secondes seulement. Je rappelle ceci. Ok. Si tout qu'il est au pouvoir, venez prochainement avec des éléments techniques. Tu dis, n'est-ce pas 70 000 francs. Enseignant, mon compte, 70 000 francs, même enseignant, il est dans le secteur public. Ouais, la différence, c'est quoi? D'abord, bon, un ancien ministre à budget, à côté de ça, à côté de l'Union sacrée, à côté de ça, la tableau. Ah, on n'a plus le temps. Hein. Oui, mais l'émission, on est vraiment tout le monde sous pression. Permettez-nous quand même de parler. Parlez. Aouti Kosa, la tableau, l'enseignant touchait ça 80 000. Et Zakout, Aouti Kosa, la dernière, Nina Zo félicité Félix, touchait ça 80 000. Vous comprenez? Et pour les rappeler, au moins dans le secteur enseignement, il y a ce qu'on appelle
depuis dans le bac depuis 90 et 91. C'est-à-dire l'État comment qui est incapable de qui système y a enseignement pèse qui na nini na banini na école l'église catholique. Oyo bah parents. C'est-à-dire à part le maudit salaire là. Oh bah oh l'État mande qu'on pèse. Il y avait ce qu'on appelle la prime de motivation. La raison pour laquelle l'école quoi catholique à part la maman Mikéwana, les autres touchaient bah $500. Et je te rappelle ceci. L'enseignant le mieux payé au Congo c'est dans les trois provinces Congo, Santé, Kinshasa et Katanga. Ok. 420 000. Ok. Ma province, nous sommes dans ça. Merci. Merci. Dollars na 2000. Merci Monsieur Tabo. Ça. 160 000. Merci. Lorsque quelqu'un touchait déjà de là à 180 000 en prime, il faut considérer nos autres. Et ce que vous avez fait, c'est Monsieur Tabo. Monsieur Tabo. C'est que $3 ils ont négocié. Tabo, merci. Par rapport à ma Cameroun. Merci. Nous courons déjà. À déposer plainte, à déposer la moukase et le moral. Les cider. Oui, je te dis que rapidement, Mouka, parce qu'on a failli tuer le président. Okay. D'abord, nous profitons à travers votre. Mais quand même, le président de la République également, il a quand même dénoncé cette attaque contre Martin Fayulu. Mais le président a dénoncé. Mais vous criez comme ça, vous me posez la question, permettez-moi de répondre. Vous me tournez sur moi. Donc, Nabamboka, ce que moi, je suis là, parce qu'il y a quelqu'un. Oyazali garé babon fonctionnement d'institution qui a la capacité, il y a quoi prévenir, il y a quoi empêcher, il y a quoi arrêter même. C'est le président de la République. Atiki Yango, Azo Zinaba. Il a dénoncé. Lorsqu'il y a des propos, Ezala Kabouya, Tokosima Mindou qui toko propos, Bobosima Mindou pour battre le pouvoir. Lorsqu'il y a un gouverneur en violation à Tiki Nolan 7 à la Constitution, Alati Lamba Félix, Azo Abiki Awezama Bela Félix, Moutoumoussa, ce n'est pas d'empêcher. Mais retenons, on doit retenir que ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Mais le président a dénoncé. Il a dénoncé à travers sa porte. Oui, c'est lui qui dénonce, c'est ceux qui sont l'opposition parce qu'ils n'ont pas la mallette du pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Merci, il a le pouvoir d'arrêter, merci. D'empêcher, merci. De sanctionner. Merci, monsieur. Et l'article 60 merci. Donne aussi c'est pour merci. Le gars de merci. Vous avez épuisé. Merci. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît, vous avez. Ça y est. Ok, merci. On va défier. Merci. Une question d'ensemble. Tosi, ma ministre est déjà presque silly. Une question d'ensemble. Opposition Lelo, après Genève, Toyoki, Tosali, qu'on a appelé l'information, des remontes au niveau étranger, Bazo qui ne sont en Afrique du Sud. Voilà, j'ai à Félix. S'il vous plaît, Bazo qui est en Afrique du Sud pour la candidature commune. Voilà, j'ai à Félix. Monsieur Dan, vous avez 10 secondes pour que nous puissions finir l'émission. Vous avez 10 secondes. Non, c'est juste la commande. Juste un commentaire. Si vous pouvez me attaquer. Déjà, on me signale. C'est presque la fin de l'émission. Vous risquerez de ne pas parler. Bon. Vous avez 10 secondes pour commenter. L'opposition va aller en Afrique du Sud pour la candidature commune. Vous avez 10 secondes. Bon, je suis tellement aimé. Mais retenez que Elonga Mouzi, tu es en affiche. À part mes A12, hein. Mes A12 à Wenge. Elonga Mouzi, tu n'as qu'à t'y apporter opposition et Zaté. Il faut marteler sur ça. Abengana Pédé Mala Moïse. Abengana Mouzi, Mouka. Donc, c'est un fait. Fayulu Abengana, retenant que, oui, parlez. Vous avez dit. Ndegonanga, à Outu Sala, Ndegoserge, d'abord, à Outu Sala. Non, allez d'abord. Allez, ne revenez pas, allez à ma question, parce qu'on va nous couper déjà presque à la fin. Je ne vais pas revenir sur des propos. Oh, à Outu Koloba. Quand je parle de l'EAC, la force régionale, c'est des missions. L'EAC, c'est une organisation internationale à caractère sous-régional. Okay. Donc, ils ont la mission en mot précise. Allez, la force régionale. Allez, violation de la constitution. Ce sont des amis de Félix. La force régionale. C'est à vous que vous n'avez pas la parole. Ce n'est pas votre tour de la parole, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Tabo. S'il vous plaît, monsieur. Parler de la constitution. Je vous ai posé une question. Allez à la question, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Allez à la question. C'est déjà presque la fin. Je vous ai posé la question. Allez à la question. Par rapport à opposition, parce qu'il y a des Afrique du Sud. Par rapport à la rencontre. Barotine, il y a des délégués là-bas. Il y a des opposants. Voilà, ils vont envoyer leurs délégués pour aller les rejoindre. Déjà que ça va accoucher d'une souris naine, comme c'était le cas en 2018. En Genève, ok. Qui n'avait aucun ancrage, même sur les plateaux. Maintenant, c'est un appel à Martin Fayulu. Ça, c'est Félix. Martin Fayulu qui ne représentait rien. Aujourd'hui, tu as mis Gaëtan Bokendekou. Il y a déjà des gens qui partent en désaccord. En absence, parce que j'ai suivi M. Martin Fayulu.
Mais ce n'est pas l'amour que Mouzitou est dedans. Mouzitou n'a rien à voir Il n'y a pas l'odeur de sainteté. Entre Mouzitou et Fayoulou, entre Mouzitou et Matata. Il y a déjà un conflit de leadership. Parce que les anciens premiers ministres entre Bongo Mibale, il y a un leadership qui a mieux géré le pays dans la gestion. Donc, il faut qu'on fasse la place. Entre Mouzitou et Matata. Mouzitou et Matata, il faut qu'on fasse la place. Okay, pour se chercher une candidature commune. Donc, je pense que, à mon avis, allez, ça, une rencontre des souris naines, monsieur Sessanga qui ne représente rien, monsieur Matata Ponyo qui est allé faire. Alors, qui est allé déambuler dans le monde avec 1000 personnes. Katoumbi qui serait les candidats des tailles. Mais monsieur Katoumbi représente face à Félix Tshisekedi. En termes de quoi? Financièrement, en termes de la popularité. Mais attendez. Mais également. Mais également, d'aucuns parleront que Katoumbi a un agenda très chargé, très musclé. Mais attendez, le chef de l'État a des contacts plus musclés par rapport à tous ces candidats votre roi. Okay. Monsieur Katoumbi, qui ne représente rien déjà en termes idéologiques, okay, en termes intelligentsia, en termes de gestion, parce qu'il a fait Katoumbi, intelligentsia, parce que Katoumbi aussi a étudié. Attendez, il a étudié où? Il a fait l'université de Lubumbashi. Katoumbi a un master en droit. Mais bien sûr, il faut pas puisque vous parlez de l'intelligence, il faut pas ramasser. Katoumbi est un universitaire. Il a déposé le dossier. S'il vous plaît, mais c'est d'abord, c'est moi qui ai la parole. Katoumbi, non, s'il vous plaît, attendez. C'est moi qui ai la première à déposer des questions. Katoumbi a déposé le dossier à la CENI, mais également la Cour constitutionnelle a affirmé et puis a confirmé Katoumbi comme candidat. Non, mais moi je n'ai rien à voir. Comme candidat, il a fait les études, il est intelligent. Mais nous sommes dans un pays. Il est capable de diriger le pays comme les autres. On est dans un pays où les diplômes étaient en quelque sorte politiquement obtenus. Beaucoup de gens ont obtenu les diplômes. Katoumbi aussi en a obtenu politiquement. Je pense comme ça. À mon avis, parce qu'il est incapable de s'exprimer dans la langue officielle. L'apothéose du savoir se transmet en français dans notre pays. Quand vous avez un leader politique qui dit mon population, qui dit on m'a piqué une piquille. Un leader politique comme ça qui veut devenir président. Mais langue, vous avez la facture, tu es ordinaire. Mais la langue ne peut pas être. Mais la langue ne peut pas être. Il y a des quoi de plus normal qu'on existe. Mais on peut être. On peut avoir la maîtrise. S'il vous plaît, mais c'est d'abord. Mais c'est d'abord aussi. On peut avoir la maîtrise de la langue française. S'il vous plaît, mais c'est d'abord aussi. Il y a des quoi de plus normal qu'on puisse exiger à un candidat président. S'il vous plaît, mais c'est exprimer des choses. Ok, on peut savoir parler, s'exprimer dans une langue, mais on est moins intelligent. Mais justement, c'est le cas d'un candidat président de la République. Donc pour dire que je ne cite pas les noms ici, que je ne souhaiterais pas de citer les noms ici. Donc on peut savoir parler bien français, mais on est moins. Mais on doit se limiter. La l'apothéose du savoir se transmet en français. Okay. Quand on met en langue officielle, passons à monsieur. Monsieur Patricien, ok, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés. La langue officielle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va couper les. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, Monsieur Dan. Vous confondez les deux. Docteur Patricia, vous avez la parole. Opposition à qui est Afrique du Sud. Quel est votre avis par rapport à cela? C'est vous qui êtes dans la confusion. Vous savez aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis déçu parce que seulement nous réfléchissons. Allez rapidement, parce qu'à la fin. Je crois que Bakéi Koluka, c'est de l'air droit. Okay. Il faut savoir que nous sommes aux périodes des élections. Pourquoi avez-vous peur de la candidature commune? Pourquoi nous on a peur? Oui, vous de la majorité, vous de l'Union Sacrée, vous avez peur de Moïse Katoumbi, vous avez peur de Martin Fayoulou. Vous savez qu'ici, au moment où on préparait les élections et ils préparaient les boycotts, au moment où on disait aux électeurs d'aller s'enrôler consorts et ils préparaient des boycotts et consorts, je crois que nous n'avons pas peur, mais et ils ont aussi les droits de se rassembler consorts, chercher leur stratégie. Nous avons déjà mis notre stratégie en jeu. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, l'idéal serait Félix Tshisekedi. Ok, merci. On passe à monsieur Yves Mouzitou. Longolé est en opposition ou il fait l'opposition à lui-même. Parce qu'il n'affiche pas de été. Et l'Ouinez, il a 12 ou comment? D'accord. Au moni, au taille que tout n'a. Allez donc au but à ma question, puisque c'est déjà presque à la fin de l'émission. Au tout n'a une déconanga, une sacrée. Ok. Il y a une idéologie. Basé à l'idéologie, mon côté, ou soit programme, mon côté,
politique. Le président Félix a un programme à défendre. Il y a quoi défendre? Non, non, mais le retrait. D'abord, la candidature. La candidature commune, s'il vous plaît, monsieur. Il allait donc. C'est déjà. Nous sommes à la fin. C'est quand on a nos bâtiments. Mais je ne vous donnerai pas parce que Michel, j'ai Sylvie. Telle année, tu as nos annonces. Je ne vous interromps pas. Ok, ok. Autour de la candidature commune, comment avez-vous jugé. Nde Konangaï. Oui. Olobi, Fayola Bengana, Moussitona Lamouka. Non, non, c'est faux. Des abonnés. Parce que ce sont les mêmes tests. Oyo. S'il vous plaît. Non, parlez, parlez. Vous aimez la parole. Parlez. Ce sont les mêmes tests. Oyo. Et Tchaki, Lamouka. Allez rapidement. Allez rapidement. Au moins, que. Moussito est dans les droits. Ce sont les mêmes Fayoulou. Allez rapidement. La candidature commune. Ce sont les mêmes Fayoulou. Et créez plus les débats. Candidature n'aille. Candidature. Combo Lamouka Fayou. Allez à la condamnation. Tu comprends? Allez à la alors que Lamouka est à la Lamouka. S'il vous plaît, monsieur Dan. S'il vous plaît. 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 Mais vous avez la parole. La candidature commune de l'opposition. Voilà. Ils vont aller, ils vont déléguer leur représentant de l'Afrique du Sud pour faire le choix. Candidature commune. Il y a Sesanga, Denis Mukwege, Martin Fayou, voilà. Matata Pono, Moïse Katumbi. Mais le Nyamouzitou est zaté. Candidature commune, Wana. Ok. Tolobango chaque fois en école Mouzito. Ok. Na Congo tout ça sous na posa ya kosangana autour ya ba leader té autour ya ma ya mututé po ala tarabien découvrir ala tarabien ya tolo barabien to za mambongo ndé to kosangana on a reluka to bimisa on a yo faire il faut il faut débat proposer et ça les ma autour ya programme. OK, c'est ça au moins. Bah on a sur la situation Genève té bon carbone justement façon ce que ken na façon on a système Genève on a au moins que Torozon a sous na histoire à 2018. Il y a Genève. Ça dit autour il y a bien divisé. Ok, merci. Vous bien. Ok, merci. Voilà. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci aussi à mes invités. Merci. Vous avez été là pour moi. Vous avez répondu favorablement à mon invitation. Vous nous avez suivis sur toutes les plateformes numériques. Facebook, nous avons été plutôt en direct sur Facebook et YouTube. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Retrouvez-nous demain mercredi pour un nouveau numéro de votre émission Tondi Melanani sur les antennes de la télévision DRC Information. Au revoir, à très bientôt. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.